Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 30, c'est ça. Il est 9h15, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une journée entière clairement. Là j'ai pas encore déjeuné, je vais dépendre ce linge, pendre le linge, déjeuner. Et ensuite j'ai une journée assez remplie puisque je dois monter une vidéo entière pour demain. À la base j'avais prévu de publier une autre vidéo, mais finalement il y a des choses qui font que je dois changer de plan. Je dois monter la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière et il doit avoir 2 heures de rush avec deux caméras, enfin avec deux plans différents. Ça va être très long, donc faut que je fasse ça pour demain. Aujourd'hui normalement je reçois mon iPhone et c'est pour ça d'ailleurs que je change de plan de vidéo, tout simplement parce que c'est une collaboration avec Rebuy. Faut savoir que j'ai déjà acheté sur ce site, notamment il y a 2 ans et demi pour mon iPhone que j'ai actuellement. Donc j'ai entièrement confiance en ce site et j'ai toujours acheté de reconditionner. Donc bref, et tout ça pour dire que je dois l'intégrer au sein d'une vidéo. Et la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière est une vidéo de Noël et je trouvais que c'était plus approprié d'intégrer le site Rebuy à cette vidéo là, parce que ça peut être hyper cool pour Noël, pour un cadeau de Noël. Si vous voulez changer de téléphone, si votre mari, conjoint, conjointe, frère, soeur, maman, petite soeur, copine veut changer de téléphone, ça peut être aussi un excellent cadeau si vous voulez pas acheter un téléphone à plein tarif quoi. Et je dois le faire demain puisque il y a des réductions pour le moment sur le site Rebuy et ça s'arrête vendredi. Ça s'est fait un peu dans la précipitation en fait, du coup on s'est dit que ça serait plus avantageux pour vous d'en parler maintenant, vu qu'il y avait les réductions et tout. Tout ça pour dire que je dois monter cette vidéo absolument et déjà une fois que j'aurai fait ça, ça sera déjà bien, mais je pense que ça va me prendre une bonne partie de la journée, donc faut pas que je traîne. Encore une fois, hyper bon, il y a du soleil et tout, donc je vais faire sécher tout ça sur le balcon. Ah oui, petite chose que je n'ai pas précisé aussi. Sur la journée à 15h40, j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant pour du coup voir ce qu'il faut faire pour mon genou. J'en ai parlé sur Instagram, mais je vais vous le dire ici parce qu'on m'a posé la question suite à mon dernier vlog. Alors attendez, je vais reprendre les termes exacts, hein, comme ça je vais pas me tromper. Important épanchement articulaire avec ébauche kystique poplitée, présentant une fissuration dans le solaire. Voilà, en gros. La douleur empire un petit peu, donc je suis bien contente de voir mon médecin maintenant pour un petit peu régler le souci. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 15h40, ça va me couper un peu la journée, donc c'est pas ouf. Mais il n'y avait pas trop d'autres solutions, surtout que mon copain a cours en présentiel. Donc du coup, voilà, fallait qu'on s'organise aussi puisqu'on n'a qu'une voiture pour deux et que le médecin est suffisamment loin pour que j'ai besoin de la voiture. Donc 15h40, voilà, médecin. Là, je vais déjeuner du coup. Je me suis fait un petit déj de folie avec une petite tartine de pâte à tartiner de chez Lidl. Je l'ai retrouvée dans le placard, j'avais oublié qu'on l'avait et c'est super bon. Là il y a des petites céréales, des pommes, des flocons d'avoine, du lait d'amande et voilà, trop bon. Il est 11h50, je n'ai pas du tout été efficace. Ça m'apprendra à faire 2 choses en même temps alors que je ne suis pas capable de le faire. Là je suis en train de faire à manger, on va manger des haricots verts avec des galettes comme ça. Voilà, je les aime beaucoup et puis ça c'est assez rapide à faire. On doit manger assez rapidement, je vais faire ça maintenant. Il reste du riz donc on va manger ça avec du riz. Voilà, des haricots verts, un peu de sauce tomate et il y a la galette qui est cachée là. Elle est là. Bon app. Bon, j'ai reçu des colis mais je crois pas que c'est mon téléphone, donc je sais pas s'il va arriver aujourd'hui. C'est comme je vous dis, je suis censée publier le contenu demain. Donc si je le reçois pas aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire, ça va être un peu compliqué. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des cadeaux de Noël. C'est ça, oui c'est ça. Bah je vais pas pouvoir vous montrer du coup puisque je vais faire la vidéo, j'emballe mes cadeaux de Noël. Et l'autre, j'imagine que c'est aussi des cadeaux de Noël que j'ai commandé du coup sur Etsy, c'est pour ça que ça arrive. Ouais c'est ça, bon je vais pouvoir vous montrer un truc. Oh là là, ils sont hyper doux purée. J'ai commandé sur la boutique Joli Trésor, voilà sur Etsy.
J'ai commandé des trucs pour des cadeaux de Noël, mais j'ai commandé aussi des petits cotons lavables en plus, puisqu'on en a jamais assez, comme je l'ai dit. Je crois que c'est les plus doux que j'ai, avec ceux de petits chats couture touche. Ah ouais, non, ils sont hyper doux. Et voilà, j'ai choisi des petites baleines. Je suis en train de manger, mais je suis aussi en train de travailler sur mon portable, parce qu'il y a de gros soucis avec les collabs et ça me stresse. Voilà. C'est le dernier jour du Black Friday aujourd'hui. Ça me gonfle parce que du coup je suis obligée de faire deux story sponsors aujourd'hui. Ça n'arrive jamais. Vous le savez normalement si vous me suivez, ça n'arrive jamais. Je ne fais jamais deux story Instagram sponsorisées le même jour. Et en général, c'est très rare que j'en fasse deux jours de suite. Là c'est arrivé parce qu'avec le Black Friday, du coup j'avais beaucoup d'offres à vous partager. Mais sinon je suis toujours en train de négocier pour décaler mes dates. Et là bah, j'essaie de négocier mais en fait c'est pas possible parce que c'est le dernier jour du Black Friday aujourd'hui. Et du coup ça me gonfle parce que c'est pas comme ça que j'avais prévu. Enfin bref, j'ai trop de taf aujourd'hui. Et là ben, du coup je vais aller taffer parce que c'est bien beau de parler. Mais voilà. Je me suis fait un petit thé, une petite papillote. On a acheté des papillotes, oui, devant mon montage. Et on va s'y remettre. Il est déjà bientôt 13h donc bon, il va falloir s'y remettre. Colissimo! Il y a beaucoup de trucs. Mon copain m'a dit qu'il devait recevoir mon cadeau aujourd'hui. Donc il devrait être par là. C'est pas moi, ça c'est mon cadeau. Par contre, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Cheers! Ah oui, on a commandé. Ah, c'est cool ça! Ah ça je suis contente. On a commandé des agrandissements photos pour nos grands-parents et des photos où j'ai développé des photos aussi. Depuis qu'on a commandé, mon copain me demande tous les jours qu'on va le recevoir. Donc il va être très content. Oh! Plein de photos, j'en ai imprimé plein, j'en ai imprimé 50. Oh mon fils, qu'est-ce qu'il est beau. Oh mon fils, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, regardez, il était miniature avec son père. On était des bébés, hein. Oh là là, je suis trop contente. Avec sa mamie. Oh, mon amour. Avec sa marraine. Petite anecdote, c'est pas comme si j'avais beaucoup de taf, hein. Petite anecdote, on allait à Strasbourg. On était allé aussi l'année dernière. L'année dernière, j'étais enceinte. La première photo que j'ai fait de moi enceinte, c'est avec mes acolytes, avec mes deux copines. Donc on était tous les trois. On a pris une photo où je tenais mon ventre. J'étais enceinte de 3 mois. Donc j'avais pas de ventre. Hein. Clairement, je n'avais pas de ventre. Mais j'avais fait comme une petite photo pour dire je suis enceinte. Et on a remarqué, donc on est retourné cette année, on a remarqué que ce pont-là s'appelait le pont Saint-Martin. Si ça, ce n'est pas un signe. Je suis très contente. Et là, du coup, ça va être l'agrandissement normalement. Il doit en avoir 4, je crois. Oh là là! Regardez, c'est notre photo de famille. Oh là là, je suis trop contente. Trop contente. Oh mon fils, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, on a reçu les cadres pour mettre les agrandissements dedans. En fait, voilà, on va leur offrir à mes beaux grands-parents. Je ne sais pas comment on dit. Je suis très contente. Je suis trop contente et trop folle parce qu'en fait tous les cadeaux ils arrivent petit à petit et j'adore Noël, j'adore Noël, j'adore faire des cadeaux, j'adore choisir les cadeaux etc. Et du coup je suis tellement heureuse de recevoir les cadeaux petit à petit. La concours en fait c'est une autre influenceuse que je suis et du coup elle m'a proposé de choisir des habits pour faire le concours avec la marque. Et c'est la marque Elora, voilà. Et du coup j'ai choisi une robe et puis un sac. Oh j'adore. Vous voyez c'est une robe comme ça avec un petit décolleté. Un petit peu des volants, enfin en fait totalement une robe que j'ai l'habitude de porter. Et le sac vous allez voir, j'étais hyper surprise de voir ça sur le site. Je connaissais pas ce principe. En fait c'est un sac où on peut changer en fait le... Bref, vous allez voir. En gros vous voyez le sac il est comme ça. Vous voulez changer, hop, vous habillez différemment, nanana. Il y a des petites pressions ici. Et en plus c'est vendu avec, donc il n'y a pas à racheter le truc ou quoi. C'est des pressions, hein. Hop, et t'en as une autre. T'en as une rouge, par exemple, ou une comme ça. Voilà, et là, c'est un nouveau sac. Trop cool, et on va faire le meilleur pour la fin. Je me trompe pas, mais je crois que je ne me trompe pas. C'est mon téléphone. Non, je vous jure, ça me soulage pas parce que j'ai un nouvel iPhone, non. Pas juste parce que c'est un nouveau truc. Parce qu'en fait, juste, je ne peux plus travailler sur mon téléphone. C'est-à-dire que maintenant, la plupart du temps, pour faire les stories, je prenais l'iPhone de mon mec. Parce que le mien buguait trop. Il bug pas parce qu'il marche plus. Il bug parce que je n'ai plus de place et qu'il faut que je vide mon téléphone. Sauf que, bah voilà. Je vais finir de travailler. Et parce que là, il faut que je rende ma vidéo ce soir. Pour preview, pour poster demain. Donc, et dans 2 heures... J'ai docteur. J'ai pris 2 minutes juste pour paramétrer le téléphone, mais je vais le laisser là puisque bah,
Voilà, j'ai pas mis la carte SIM, enfin j'ai rien fait dessus, j'ai juste paramétré, synchronisé avec mon ancien. Là je vais partir chez le médecin, il est 15h30, j'ai rendez-vous à 15h40, donc je vais partir, oui je vais bien partir même. Oh, faut que j'imprime mes résultats. Je suis en retard et mon imprimante a décidé qu'elle ne voulait pas imprimer. Bon, je vous ai pas dit la news. Du coup je suis allée chez le médecin. Et le truc c'est que je dois porter une attelle toute la journée sauf pour me laver. Et le pire dans tout ça c'est que je dois me faire opérer. En tout cas c'est ce qu'elle elle trouve le plus juste. Mais j'ai rendez-vous avec un chirurgien du coup orthopédiste vendredi pour voir comment on s'organise. Surtout que nous on part au moment des fêtes. Enfin je suis censée partir au moment des fêtes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin on verra bien. Mais voilà du coup voilà c'est un kyste en fait derrière qui est fissuré. Et en gros il y a un risque qu'il explose. Et là c'est très douloureux et très chiant. Donc pour éviter tout ça il faut opérer assez rapidement pour justement l'enlever. Et une attelle qui immobilise le genou pour pas que je force et pour que ce kyste soit tranquille. Donc voilà, j'ai une petite attelle, c'est nickel. Bon il est bien plus tard puisqu'il est 21h43. On est en train de manger des petites gaufres. J'ai préparé ça en live. J'aime bien faire des petits lives cuisine. Sur Insta j'en fais très souvent. Et voilà donc j'ai préparé des petites gaufres aux légumes. Donc c'est carottes et bon il est plus de minuit. Je viens seulement de arrêter de bosser. Ma journée était crevante et encore j'ai pas terminé ce que j'avais à faire. Là je vais me coucher, enfin me préparer pour aller dormir etc. Et faire une bonne nuit je pense. Bon, je vais aller me coucher, j'espère que ce vlog vous aura plu, je suis juste claquée. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dimanche pour un nouveau vlog.